Physarum polycephalum, aussi appelé blob, a fait l'objet d'une expérience participative réunissant 15 000 participants dans toute la France. Université Paris-Cité a pris part à cette expérience d'une ampleur inédite grâce à l'engagement de Anne-Louise Illy-Blante et Sophie Picat de la Bibliothèque des Grands Moulins et de Marilyn Moulin et Anne Quedel-Courteil, toutes deux enseignantes-chercheuses à l'UFR Sciences du Vivant. Un jour du mois d'avril, un courrier très spécial est arrivé. Dans l'enveloppe, le blob endormi. Pendant une phase de réveil en douceur pour le blob, les étudiants et personnels de la bibliothèque ont minutieusement mis en place le matériel nécessaire pour observer, selon deux protocoles différents, les effets de hausse de température sur le comportement et le développement du blob. Toutes les variations de température et observations relatives à leur croissance et à la vitesse de leur croissance ont été consignées dans l'indispensable cahier de laboratoire. Ah, voilà, là, c'est en pleine action. Oh là, deuxième dépose. Mais attention, ils sont fragiles et gourmands et s'ils n'ont pas absorbé le chorizo, en revanche, ils ont montré leur appétit vorace. L'immense collecte de ces données rassemblées par les 15 000 participants sera prochainement publiée dans une revue en accès libre. Avec cette expérience de science participative, Anne-Louise, Sophie, Adrien, Pauline, Marilyn, Anne et tous les étudiants impliqués ont découvert ou expérimenté que si la démarche scientifique est faite de patience et de rigueur, elle sait rester amusante.